Bonjour déjà. Ouais. Ah, bonjour à toutes mes personnes connectées. Bonjour. Ouais, c'est bon. Comment vous allez, mes personnes? Bon matin chez vous, bon après-midi déjà. Bon midi. Bon, là je vois les cœurs. Allez-y, mettez les cœurs. Lauriane Bayrou, comment on va? Comment allez-vous? Manoucia Akam, comment va? Merci. Oh bon, vous êtes déjà là. Ben, mes impactés, je vous demande de connecter, de partager, connectez-vous, partagez massivement la vidéo. Parce que c'est un sujet qui touche la vie réelle. Oh, merci, c'est gentil. Vanessa, c'est gentil. Merci beaucoup. Aïe, Siri. Donc, Cara Marie, comment va? Ok, il a dit quoi? Oh, afternoon, Siri. Ouais. Nous, on dit morning. Il fait jour ici. Good morning. Mm-hmm. Bon. Aimé Mélèche, comment vous allez? Je vais bien. Ouais, je vais bien. Partagez la vidéo. Je vais finir par répondre à vos messages. C'est vrai qu'il ne reste plus. Il ne reste que deux places. Je vais répondre à vos messages. Mm-hmm. Merci beaucoup. Bon matin, Christelle, Cynthia, Kwasi. Merci. Ouais. Je peux pas être debout. Je vais faire ça rapidement. Oh, c'est bien. Tu vas bien? Massimali. Merci beaucoup, Nadej Naounou. Merci. Je vous demande tout ce que moi je vous demande, partager, sécuriser le direct, c'est ça. Vous savez quoi faire? Voilà. C'est ce que je vous demande. Mmh. Bon. J'ai beaucoup de messages dans mon WhatsApp. Oui, j'ai beaucoup de messages, mais j'ai une mise au point à faire. Pour ceux qui viennent de me prendre en marche, l'impacteuse ne décroche pas les appels. Malheureusement, je vous ai dit, ce n'est pas par dédain ou bien par mépris pour vous mes impacter. Non, ce n'est pas ça. C'est une question d'organisation. Si je veux répondre aux messages tout et tout là, le monsieur va me divorcer. Il va me mettre dehors. Et les messages qui rentrent chaque jour dans cette tablette-là, non. Ce que je fais, vous me laissez un message en bonne et due forme, un voice ou bien des écrits. Oh là là, merci pour les étoiles. Merci pour la personne qui m'a donné les premières étoiles. Oui, c'est ça. Laissez-moi des voices ou bien des écrits. Je vous réponds par voice. Oui, je vous réponds par voice même pour laisser mes traces, pour laisser ma voix. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans un processus d'immigration, tout et tout. Pour qu'on sache, pour qu'on, ça dit qu'on voit la traçabilité de tout. Mais je ne décroche pas d'appel. Donc, si vous voulez, même si vous m'appelez 1000 fois, je ne décroche pas. Je ne décroche pas parce que je travaille. Après le travail, je m'occupe de la maison. C'est quand j'ai fini que je réponds à vos messages. Donc, ne vous donnez pas cette fatigue-là. Mes impactés, je vous demande de partager la vidéo. Partagez parce que la société d'aujourd'hui est devenue comme une société, je dirais maléfique. Oui, c'est ça. Chacun essaie de tirer la corde de son côté. Mais on va décrypter une histoire. J'aurais voulu mettre ça dans les causeries du vendredi, mais le temps qui m'est imparti est tellement mince là. J'ai trop de messages, beaucoup d'affaires. Il faut suivre le dossier d'immigration des gens. En tout cas, bref, I'm busy. Comme disent les Anglais, là, very busy. Donc, ce qui fait que je vais faire souvent les petites vidéos les matins. Quand je dors tôt, je me réveille tôt, bien évidemment. Donc, je peux comme des vidéos. Avant tout, je voudrais saluer des personnes. Aujourd'hui, je mets à l'honneur ici une famille, la famille Yuku à San Pedro. On appelle cette famille là-bas la famille des impactés. Une famille du père, papa Yuku, jusqu'à sa femme, la princesse Yuku, les enfants Yuku, même la servante, la mémé qui est à la maison, tout le monde, c'est la famille des impactés. Famille Yuku, depuis San Pedro, vous êtes mis à l'honneur ici. Merci beaucoup. Merci. Mon fils Kapou, je te dis merci. Mes impactés, je vous aime tellement. Je vous demande de partager cette vidéo-là. Oh là là, oh là là. Je n'ai même pas encore fini de parler. Ah, mania.
On peut aimer son impacté comme ça. Ah là là, on peut aimer son impacteuse comme ça. Merci beaucoup, mes impactés. Merci. Ce que je vous demande là, dès que vous mettez une étoile là, partagez. Étoile égale partage. Voilà, c'est ce que je vous demande. Merci beaucoup. Aïe, merci. Vraiment. C'est votre amour là qui fait que je suis sur pied, à l'aise. Mais, comme on dit, mes impactés, nous on ne fait pas de bruit sur les réseaux sociaux. Nous sommes des grandes dames. Hein? Nous sommes des grandes dames. Donc, même mettre un petit cœur, même on ne sait pas où on passe pour mettre cœur. À plus forte raison, commenter. Et puis, quelqu'un va venir t'insulter. Donc, mes impactés, je vous comprends parfois. Mes impactés, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire, je dirais, complètement complexe. Oui, c'est ça. Elle est complexe parce que il y a bon nombre de femmes dans les foyers qui sont confrontées à ça. Mais il y a aussi des jeunes filles qui font des enfants avec des hommes. Oui, c'est pas parce qu'elle a fait un enfant avec l'homme que, comme je le dis, ben, elle a le droit sur son enfant. Oui, 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 oui. J'ai fait cet enfant-là avec un homme marié, hein, mais j'ai le droit de vouloir garder mon enfant. Ça, c'est mon droit. Mais sache que autant tu as le droit de le garder là, autant la femme aussi qui est à la maison, c'est son droit le plus absolu de dire que cet enfant que mon mari a conçu dehors, je ne veux pas de lui à la maison. Je vous ai déjà dit, il n'y a aucune femme mariée, hein, dans la loi du monde. Vous savez pourquoi? Qu'on va obliger à prendre un enfant qui a été conçu dehors. Parce que l'enfant qu'on prend à la maison, il faut lui donner de l'amour au même titre que les autres enfants qui sont à la maison. C'est pour ça que, pour qu'on accepte un enfant à la maison, je peux dire que ça prend une thérapie, ça prend une étape qu'on doit franchir. Ça dit oui, parce qu'il y a eu de l'infidélité. Ah oui, oui, oui. Il faut réparer ce préjudice-là. Ce tort que tu as fait à cette femme avec laquelle tu vis, il faut réparer ça avant de pouvoir accepter cet enfant-là à la maison. Mais quand ça dit qu'on voit qu'à un moment donné, quelque chose qui aurait pu être, je dirais, facile, parce que le cas que j'ai ici aujourd'hui, c'est une jeune fille qui a fait la connaissance d'un monsieur qui est en Suède, qui vit là-bas avec sa femme, tranquille. Elle a un enfant de jeunesse, sa femme. Profitez pour partager mes personnes, parce que ça, c'est un sujet d'actualité. Oui, je prends ce sujet-là parce que c'est l'enfant qui est mis à l'honneur ici. Hein? On est là pour le bien-être des enfants. Voilà. Donc, elle a conçu cet enfant-là avec ce monsieur en Suède, ce monsieur qui vit en Suède, qui est venu en vacances avec un frère ivoirien. C'est là qu'ils se sont connus. Bref, comme on dit au Québec, ça a parti entre eux et puis ça a donné ce que vous savez. Je vais vous lire le courrier et puis rentrer dans le vif du sujet. Bonjour notre impacteuse. Je suis Monsieur K d'origine burkinabé. Il y a 6 ans aujourd'hui, en vacances avec un ami ivoirien, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille ivoirienne lors de mon séjour à Abidjan qui est tombée enceinte et j'ai tout de suite assumé jusqu'au jour où j'ai délégué ma famille pour demander pardon à ma femme pour qu'elle finisse par accepter la situation. Je précise que ma femme a une fille de jeunesse ici, mais a des difficultés pour faire un autre enfant dans notre couple. Mon problème, c'est que depuis avant le COVID, nous luttons avec la mère de mon enfant à Abidjan pour faire rentrer l'enfant ici en Suède. Mais elle refuse aujourd'hui, accepte demain, ainsi de suite. En fait, elle veut que l'argent, l'argent et l'argent. Je ne sais plus quoi faire. Ma femme et moi sommes découragés. Espérant que tu me lises et que tu portes une attention à mon message, je te remercie beaucoup. Bon, en NB, ça m'a fait sourire. S'il te plaît, tu as trop de potentiel. N'entre pas dans les clashs, reste dans tes sujets constructifs. Nous, on t'aime. Monsieur K, depuis la Suède. Mes impactés, partagez la vidéo. Vous avez lu le message. Ce monsieur est parti en vacances avec un ami. Il a croisé cette jeune fille-là. J'ai pris le temps de parler avec lui. C'était un message qu'il m'a envoyé il y a environ 3 semaines. C'est par rapport au temps que j'ai pas, que c'est jusqu'aujourd'hui que j'ai fait l'effort de pouvoir traiter ce sujet-là. Et quand il a fait la connaissance, bref, quand il est arrivé en Suède, elle lui a dit qu'elle est enceinte. Il a dit « fine ». Au début, bon, il a géré la situation un peu dans l'ombre jusqu'à ce que, à un moment donné, c'est-à-dire, il a eu l'obligation de dire à sa femme qu'il a conçu un enfant dehors. Au début, ça a chauffé et tout, bref, finalement, la femme a fini par accepter. Le problème qu'il rencontre aujourd'hui avec cette fille,
qui est au pays. Oui, je précise que cette dame-là, elle travaillait dans un bar. Elle travaillait, je dis travaillait dans un bar, pas parce qu'elle travaille dans un bar, donc déjà on va lui coller une étiquette. Non, c'est pas ça le problème, c'est parce que maintenant, elle ne travaille plus. Et tenez-vous bien, elle a fait un deuxième enfant. Donc aujourd'hui, elle veut garder cet enfant-là. Oui, aujourd'hui, on utilise cet enfant comme un appât. C'est un appât. On veut garder cet enfant-là qu'on a conçu pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir pomper l'argent, pour que chaque fois, l'argent va quitter en Suède pour venir. Il y a l'attachement que cette mère-là a sûrement avec son enfant, c'est sûr. C'est pas parce que j'ai fait l'enfant avec toi, tout de suite, je vais te donner cet enfant-là. Parce que bon, tu vis en Europe. Il y a des démarches qu'on fait. Je dis qu'on doit se soucier d'abord du bien-être des enfants. Mes impactés, si vous êtes là, mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, partagez les directs. On doit se soucier d'abord du bien-être des enfants. On doit se dire d'abord, oui, c'est vrai. C'est vrai, je ne travaille pas, je n'ai pas de temps. Mais est-ce que cet enfant-là, s'il reste avec moi, il aura plus d'amour? Est-ce que la femme qui est là-bas, qui est dans le foyer, elle est prête à accepter cet enfant-là? Voici des éléments que une femme, quand tu as conçu un enfant, ça dit dehors. Tu sais que cet homme-là est marié. Tu as conçu l'enfant avec lui. Voici les éléments que tu dois aller chercher. C'est toi la femme qui est à l'extérieur, qui doit te soucier. Est-ce que mon enfant, quand il rentre là, il va être bien? Est-ce qu'il va être aimé? Si tu vas dans ce sens-là, nous autres, on est d'accord avec ça. Parce que c'est quand même ton bébé. Donc, il y a l'attachement que tu as avec cet enfant. Il y a le bien-être de l'enfant dont tu te soucies. Mais quand on appelle l'enfant dehors, et puis maintenant, on s'est dit que non, le père de l'enfant, il est en Suède. Donc, on va aller pomper. On va aller tirer dessus. On va faire du chantage. C'est là que toi, la femme, tu dois dire non à ça. L'enfant qu'on a conçu dehors là, ma chérie, toi qui es dans ton foyer, c'est pas à toi de faire pitié pour que l'enfant rentre. Les premières démarches ont été faites. Le monsieur t'a parlé pour dire qu'il veut que l'enfant rentre. La femme a donné son accord. Mais quand tu as donné ton accord, oui, j'insiste là-dessus, les femmes dans le foyer. Quand vous donnez vos accords aux hommes pour que les enfants rentrent, prenez ces enfants avec le bon cœur. Si tu ne veux pas, c'est correct. Moi, je respecte la vie des femmes qui disent que l'enfant que mon mari a fait dehors doit rester dehors. Je respecte votre avis. Je respecte aussi les femmes qui ont fait des enfants et des hommes mariés qui disent « Moi, mon enfant ne doit pas rentrer là-bas. » Mais quand tu dis « Ton enfant ne doit pas rentrer là-bas, là, c'est que ma chérie, tu as la possibilité d'assumer la première partie de tout ce qui concourt au bien-être de l'enfant. » Oh que oui, oui, oui. Si tu ne travailles pas, que mon mari est parti faire un enfant avec toi, ce mari-là est parti faire un enfant avec toi, ben la logique voudrait qu'il réclame l'enfant pour s'occuper de l'enfant. Surtout que tu ne travailles pas, tu ne vis pas avec un homme, ça dit que c'est toujours dans ce foyer-là, dans le foyer de la femme en Suède, que l'argent quitte pour aller. Non, ma chérie. À un moment donné, chacun doit essayer, ça dit que de tirer la corde de son côté. Oui, hein, on est rendu là. Mais il ne faut pas que tu gardes l'enfant dehors et puis tu vas t'attendre à ce que l'enfant qui est dehors va avoir les mêmes droits que ceux qui sont à la maison. Oh que oui, je vais vous décevoir. Ma chérie, l'enfant que tu as fait dehors avec un homme marié n'aura jamais les mêmes droits que les enfants qui sont à la maison. C'est pour qu'ils aient les mêmes droits là. C'est pour ça qu'on te demande de laisser l'enfant partir avec son père. Mais quand tu fais un enfant avec un homme, tu essaies de voir comment ce père-là, il est attaché. Oui, quoi qu'on dise là, il faut donner les enfants au père si vous n'avez rien à leur reprocher vis-à-vis de la relation père-enfant. Oui, ça aide ces enfants-là à avoir, c'est-à-dire à parfois, c'est-à-dire avoir une forte estime d'eux. Oui, parce qu'un enfant, tu ne travailles pas. Tu es là-bas et les deux enfants. Oui, l'autre enfant, il a son père. Mais moi, je parle de l'enfant dont le père est en Suède. Mais pourquoi on garde l'enfant? On garde l'enfant pour faire du chantage, pour avoir l'argent, pour que chaque fois on envoie l'argent. Les femmes, si tu es dans ton foyer, le mari a fait un enfant dehors, que la femme ne veut pas que l'enfant rentre, alors que vous voyez sa condition, ben allez au strict minimum avec elle. Elle veut faire le chantage, oui, pour avoir l'argent. Parce que si ce n'est pas question d'argent, la dame a dit, le monsieur a dit, j'ai même pris mon téléphone, ma femme a pris son téléphone pour communiquer avec elle, pour essayer de la rassurer, pour lui dire, ma chérie, moi j'ai grandi dans une famille où on a beaucoup d'enfants, on ne va jamais maltraiter ton enfant. Et tenez-vous bien, le monsieur a dit, le jour que l'enfant va rentrer,
en Suède, c'est ma femme qui va venir dans ta famille pour te se présenter, pour te prouver qu'elle est disposée à recevoir cet enfant. Donc, une femme comme ça, là, avec laquelle ton mari a fait un enfant dehors, tu as négocié encore avec elle. C'est ce que j'appelle le chantage perpète. Ce genre de femme ou des hommes, ça dit que des hommes sont toujours prêts à traîner leur queue partout. Ça dit, toi, tu es dans le foyer d'une femme et puis elle, elle est dehors. Puis on dit, lui, là, mais qu'est-ce qu'il a vu sur cette femme-là? Comme je dis, les hommes aiment des découvertes. Les hommes, là, souvent, hein, il a une femme qui a tout. Il va aller même prendre celle qui n'a rien. Il va avoir une. Il a tout, il dit que non, il n'aime pas les beaux bras-bas. Ou bien lui, les femmes qui ont les lolos, ça ne lui dit rien. Tu vas aller voir dehors, celle-là à laquelle il a fait l'enfant là. C'est un homme cabaret. Donc ma chérie, tout ce que vous devez faire quand vous êtes dans ce genre de foyer là. Quand la femme déjà commence à dire dehors là-bas que oh, je veux ça, je ne veux pas envoyer mon enfant. Toi la femme, tu restes en dehors de ça. Rester en dehors des conflits avec les hommes et les mères des enfants. Tout ce que vous devez faire à un moment donné, c'est juste donner des conseils. Si vous voyez que la relation devient compliquée, et puis elle est là-bas, on se tiraille dans ta maison, au téléphone ça parle, tu donnes des limites. Les limites c'est quoi? Dis à ton mari que cette dame-là, désormais pour lui envoyer l'argent de l'enfant, il faut passer par quelqu'un. Oh que oui, 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 oui. Ça dit que ne permettez pas que les femmes soient à l'extérieur et puis elles font partie de vos vies. Oui, oui, oui. Tu as fait un enfant avec un homme marié. Ma chérie, c'est la relation de cet enfant-là et le père. Voilà, ça demeure le père. Donc, ça ne doit pas être quelque chose où vous allez vous tirer. Tu essaies de voir dans ta famille à toi si tu as une tante, une mère qui est disponible. Chaque fois, tu dois lui envoyer l'argent. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas avec la mère de l'enfant qu'on coupe les liens au niveau des finances. Non, en fait, jamais ça. Même si ça ne va pas avec celle qui est dehors, si tu sais que tu as ta grande soeur qui est là, ou bien tu as ta mère qui est là, donnez-lui l'argent de l'enfant. Elle-même, elle se déplace pour venir chercher. Évitez le contact avec elle. Tout ce que vous pouvez faire, c'est parler avec l'enfant. De temps en temps, tu appelles, je veux parler à l'enfant. N'ayez rien à dire à ces gens de femmes qui sont dehors, avec lesquelles, oui, ces femmes bouchées, ces femmes tarées. Parce que si tu n'es pas bouché, tu n'es pas taré, comment tu peux refuser qu'on fasse rentrer l'enfant en Occident alors que tu as déjà parlé avec la femme qui veut recevoir ton enfant? Aussi clair que ça, tu vas dire quoi? Tu aimes ton enfant, mais le père aussi, il aime son enfant. Donc si elle refuse, c'est parce que dans ce genre de cas-là, elle recherche quelque chose. Elle veut essayer de rendre votre relation toxique. Ne permettez pas que, si vous avez des enfants dehors, cette relation-là vienne empoisonner vos relations à la maison. Les enfants, ça dit que quand on soit souvent à l'extérieur de ce qu'on appelle ça, en mariage, parfois là, ça peut créer une situation un peu, ça dit dysfonctionnelle même au niveau des relations, ça dit que du père et l'enfant, parce qu'elle a tendance à monter l'enfant. Elle a tendance à dire tout de... La relation qui ne fonctionne pas entre elle et toi, elle a tendance à transcender ça sur l'enfant. C'est pour cela que nous sommes là. Pour vous dire, si vous avez des relations avec vos femmes, que ce genre de choses-là arrivent, soyez des adultes responsables. Si vous voyez que vous êtes tombé sur une femme qui a des, ça dit qu'il y a ce genre de mentalité-là, parce que si ce n'est pas ça, c'est quoi? C'est une question d'argent, vous comprenez? On va prendre le sexe pour entraîner quelqu'un dans cette situation-là. On va prendre l'enfant pour faire ce chantage-là. Et ce chantage-là, ça vient avec mensonge et cupidité. Aucune femme ne doit accepter ça. Si tu sais que ton mari se retrouve dans cette situation-là, déjà toi aussi, il faut mettre tes balises. Ouais, mettez les balises. Mais ce qu'on est en train de dire là, on est en train de parler pour le bien-être de l'enfant. Ouais, oui, l'enfant va aller dans une école privée, mais au lieu que l'enfant soit dans une école privée, comme tu le dis, ben, le père, il veut son enfant. Donnez les enfants au père quand vous les avez faits, si vous n'avez pas de moyens de vous en occuper. Aussi clair que ça. Mais vous n'avez pas les moyens, pourquoi vous luttez ces enfants-là? Pourquoi vous luttez? Eh bon, ça devient des injures. Si ta femme ne peut pas faire d'enfant là-bas, ben je suis désolée. On ne réclame pas un enfant parce que ma femme ne fait pas d'enfant. Non, 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 non. C'est pas pour ça qu'on réclame. On réclame l'enfant parce que d'abord c'est le père et puis parce que on veut que cet enfant-là vive dans un cercle familial. C'est aussi simple que ça. Ça, il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à comprendre. Il y a beaucoup de femmes, quand elles font les enfants avec des gens qui vivent en Occident, ça devient des petits chantages. Moi, je dis que ce soit l'homme
ou bien que ce soit toi la femme, il n'y a personne qui doit rentrer dans ce chantage-là. Si tu donnais au début 100 000 francs pour qu'elle s'occupe de l'enfant, et puis elle en demande, ben tu vas juste au strict minimum. Mm-hmm. Tu coupes même si tu veux la poire en deux. Et tu dis non, désormais, l'argent là, tu vas aller chercher ça chez ma tante. Tous les mois, l'argent de l'enfant est là. Quand elle va voir que c'est réduit, c'est parce que parfois c'est beaucoup. Quand vous avez fait les enfants avec elle, vous donnez. Donc, elles se sentent confortables dans cette position-là. Elles se disent que oui, elles sont dans leur position où elles ont raison. Non, je te donnais 100 000 chaque mois. Peut-être c'est ce que tu payais une maison, tu payais tout ce que tu veux. Ou bien 200 000. Désormais, tu coupes en deux. Tu coupes en deux là, tu dis, va prendre ça chez tant. C'est elle-même qui a encore payé le transport pour aller prendre l'argent. Quand elle va faire tout ce tout-là, elle va finir par comprendre qu'un enfant, quand on le fait avec un homme, que cet homme-là veut l'enfant, que toi-même tu vois que tu n'es pas dans les dispositions pour pouvoir t'en occuper. Il y a des mères célibataires qui ont fait des enfants avec des hommes qui ne sont pas libres, mais qui ont dit, moi je m'occupe de mon enfant. Ça c'est correct, on respecte ça. Mais faire un enfant avec quelqu'un et puis utiliser ça, et puis dire que, comment on appelle ça, si tu veux que tu donnes mon enfant, il faut que tu construises ça pour moi. Pourquoi on a construit une maison pour toi? Par exemple, tu as fait un enfant. Tu as fait un enfant à un homme marié, donc on n'a qu'à construire une maison pour toi avant de faire rentrer l'enfant en Suède. Vraiment. Mais ce que j'ai dit à ce monsieur, la légende, oui, je vais appeler ça une légende. Ce monsieur lui-même, il a précisé, hein, il a dit qu'il est d'origine burkinabé. La légende en Côte d'Ivoire, peut-être que parfois, et quand il m'a donné l'ethnie de notre soeur ivoirienne, j'ai tout compris. La légende en Côte d'Ivoire dit souvent que quand avant, les Ivoiriennes faisaient des enfants et les Burkinabés, vous fuyez avec les enfants. Avant, oui, je dis légende parce que je ne l'ai pas vu. Mais c'est ancré dans l'esprit des Ivoiriens, un peu qui sont, en tout cas, dans leur contrée lointaine, c'est ce qui se dit. Quand les Ivoiriens font les enfants et les étrangers, très souvent les Burkinabés ou les Béninois, vous fuyez avec l'enfant. Mais cette femme avec laquelle tu as fait cet enfant aussi, elle fait partie d'un certain groupe ethnique de la Côte d'Ivoire où ils ont tendance à garder les enfants sur eux. Elles n'ont pas les moyens, comment, mais quand elles font les enfants, pour donner les enfants à leur père là, c'est problème. Donc, vous deux, il y a problème. Eux, ils aiment garder enfants. Vous, on dit que vous fuyez les enfants. Donc, tout ça aussi, ça n'a pas aidé. Donc, il y a du travail à faire. Mais elle, c'est pas ça à son niveau. Son côté, c'est plus l'argent. On regarde l'argent. Mais à un moment donné, ça ne peut pas marcher comme ça. Vous comprenez? On ne peut pas utiliser le sexe chaque fois pour arriver à ses fins. Mm-mm. Ce temps est passé. S'il y a des hommes qui se laissent dans ce jeu-là, il y a des hommes qui se laissent entraîner. Tu as fait un enfant avec une femme, donc elle va utiliser le sexe. Pourquoi? Hein? Mais tu as fait un enfant avec elle là. Toi-même, tu as dit, bon, c'est quelque chose qui est arrivé. Donc, pourquoi on va utiliser ça? Pour ça dire que pour nuire dans ton couple. Ne permettez pas ça. Tu as fait un enfant avec une femme. Tout ce qui est humainement possible, faut t'en occuper. Occupez-vous des enfants. Moi, ce que je déteste là, c'est quand des hommes font et vous coupez tout lien avec les mères. Les mères se retrouvent seules avec des enfants. Ça, c'est pas bon. Mais si tu tombes sur une mère qui veut te faire du chantage, tu n'acceptes pas. Pourquoi vous acceptez? Mais quand on prend l'enfant là, c'est pour le bien-être. C'est pour que l'enfant soit bien. Au moins là, ça va créer une cohésion entre les deux frères et sœurs. Voilà. Parce que vous êtes dehors et c'est vous qui vous plaignez. Oui, tu fais ça pour ton enfant. Ben oui, c'est normal. Cet enfant, il vit à la maison. On veut que l'enfant vienne vivre à la maison pour lui donner les mêmes droits que l'enfant qui est là. Mais l'argent est combien? Mais on va enlever ici, on va enlever ici, on va enlever ici. Au moins, si on éduque les enfants dans le même cercle, avec la même éducation, oui, c'est vrai, chaque enfant est unique. On peut vous éduquer ensemble et puis d'autres enfants vont dire, mais au moins déjà là, tout petit, on peut essayer de les coincer. Le monsieur a soulevé le problème. Sa femme, elle est infirmière en Suède. Elle a dit que si elle veut recevoir l'enfant, il faut que l'enfant soit encore petit. Elle ne veut pas recevoir un enfant qui a grandi plus tard pour venir perturber son foyer. Partagez le direct, les personnes, parce que ça, c'est très important. Uh-huh. Mais ce que la dame a dit, c'est quelque chose de très important. Les enfants, quand vous voulez les récupérer, surtout en Occident, vous avez un homme avec lequel vous vivez, même s'il avait eu ses enfants avant vous, ou bien même s'il a eu ses enfants, ce qui n'est pas conseillé, vous êtes ensemble, il a eu un enfant comme dans ce cas-là. Tout ce que vous devez faire,
essaie de récupérer les enfants quand ils sont petits. Si c'est un enfant que tu as envie de récupérer, toi la femme, si tu as envie, fais-le. Mais si tu n'as pas envie, moi je respecte ça. Ouais. Parce qu'il y a deux femmes, elles vont dire, oui, si je vois l'enfant, c'est comme je vois le fruit de la trahison. Ben, malheureusement, c'est la réalité. Mais si c'est trop fort pour vous, moi, je vous respecte dans votre décision. Mais ce que j'encourage vivement, c'est le fait que l'enfant qu'on a conçu, il reste dehors. Et puis bon, le père ne s'en occupe pas, non. Le père, là, l'enfant qui l'a fait dehors, toi, la femme, tu n'as pas l'obligation de l'accepter à la maison. Mais lui, il doit s'en occuper. J'insiste autant de fois dans mes vidéos. Oui, mais c'est ça parce que c'est des adultes qui ont posé leur acte. Donc, à un moment donné, il faut que vous assumez. C'est lui, le père, ton mari, c'est lui qui a posé son acte. Donc, il faut qu'il s'occupe de l'enfant. Mais maintenant, quand la femme veut accepter l'enfant, très souvent, c'est bon que vous les preniez quand ils sont encore petits. Quand ils ne sont pas encore tombés dans la préadolescence, surtout en Occident. Parce que ces enfants-là, quand ils arrivent avec leur comportement. Parfois, là, ça devient dur. Très souvent, quand ce n'est pas nos propres enfants, ouais, il faut se surpasser. Dis-toi que l'enfant que tu es en train d'éduquer, qui est l'enfant de ton mari, qui a un comportement que tu ne comprends pas, ou bien qui est l'enfant de ta femme, ce n'est pas parce que ce n'est pas nécessairement. Oui, on a tendance à dire, mon propre enfant ne peut pas me faire ça. Dites pas ça. L'enfant peut ne pas être de toi, et puis le comportement qu'il fait, parfois c'est un comportement normal. Mais si tu as une autre vision, si tu as une autre façon de regarder les choses, tu as te dit ça là, mon propre enfant ne peut pas me faire, mais ton propre enfant peut te faire. Nos propres enfants peuvent nous faire des choses. Donc c'est pour ça que quand vous demandez à prendre des enfants, prenez-les quand ils sont petits. Vous allez les façonner. Voilà, moi je ne peux pas prendre un adolescent dans ma maison où je suis rendu là. Je ne peux pas. Ça dit pour que je prenne un adolescent, c'est que je change de travail, tout et tout. Si je devais prendre un enfant, je te prends plus petit. Je t'éduque à ma façon. Parce que les adolescents ont des crises, tout et tout, ça peut avoir une répercussion. Voilà. Parce que ces enfants, aujourd'hui, elle est en train de garder cet enfant qu'ils ont fait il y a 6 ans aujourd'hui. La dame a dit, moi je veux qu'elle m'envoie l'enfant au moins quand il va avoir au moins 9 ans à peu près, maximum 9 ans, pour que j'essaie de l'éduquer tout et tout. C'est cette bataille-là qu'elle est en train de mener. Du moins qu'il est en train de mener. Oh, tu vas prendre ma femme, mon enfant. Vous allez l'élever, moi je ne sais pas ce qui va. Ben désolé là, tu savais que le monsieur n'était pas un Ivoirien et puis tu as fait un enfant avec lui. Donc tu assumes ces petites, c'est-à-dire ces mentalités dépassées, ces mentalités que je dirais grégaires, dépasser ça. Tu as fait un enfant avec un homme d'une quelconque origine. Ben s'il réclame son enfant, tu lui donnes l'enfant. Tu n'as pas venu dire que non, moi je n'ai pas d'un enfant, c'est un Burkinabé demain. Et si vous prenez mes enfants, vous fuyez. Ben il fallait y penser. Mais toi dans ton cas, ce que j'ai entendu, c'est une question d'argent. Les hommes mariés, ne soyez pas des vaches à lait pour celles qui sont dehors. Des vaches à lait, où elles vont vouloir traire à chaque fois, traire. Si tu vois que tu as fait un enfant à une femme dehors, chaque fois c'est l'argent, l'argent, prends ton courage à deux mains. Fais comme on fait, comme tu es un garçon là, parce que tu es garçon, et puis tu es parti faire dehors là. Prends le courage, fais asseoir ta femme. J'ai fait une bêtise, je sais que tu vas être fâché. Mais chérie, je préfère t'en parler. C'est pas facile, mais voici. Dis-elle le courage d'en parler à ta femme. Elle va se fâcher au début. Mais après, tu vas voir que avec les oncles, il y a toujours un membre de ta famille qu'une femme respecte. Il y a toujours un ami proche qui va venir lui parler. Et puis bon, avec le temps, elle va finir par baisser la garde. Mais quand ta femme a accepté là, c'est là maintenant que tu joues travail sur ce qu'elle dit. Moi, j'ai déjà parlé avec ma femme. Je veux récupérer mon enfant. Là, au moins là, ça dit que tu as franchi une étape de plus. Je veux récupérer mon enfant. Là, c'est là que tu sauras si maintenant, elle veut faire des ça dit, ou tu sauras si elle est attachée à l'enfant juste par attachement, ou bien c'est parce qu'elle veut l'argent. Oh que oui, il y a des femmes là, c'est l'argent qu'elle veut. Mais si tu lui expliques tout, non, ma femme n'a pas de problème. Ma femme et moi-même, on va venir pour la première fois. Elle va voir le bébé, tout et tout. Toutes les démarches là, tu vas finir par comprendre. Comme je vous dis, ne vous laissez pas dans les chantages. Un enfant qu'on doit récupérer pour l'envoyer à la maison, ça prend. L'enfant a besoin d'attention. L'enfant, on ne le prend pas comme un paquet de patates là, et puis on vient, on le dépose. Un matin, il arrive parmi ses frères, il ne sait même pas où il est. Faites pas ça. Si vous faites toutes ces démarches là, on a essayé de parler avec madame. Madame a accepté. Ben, ça prend des étapes, mes amis.
Ça prend des étapes pour que l'enfant rentre dans cette nouvelle famille qui est sa famille. Ça prend des étapes pour qu'il soit, ça dit, en contact avec ses frères. Une première fois, on envoie l'enfant là de façon progressive. Il vient déjà les fins de semaine. Parce que cet enfant va venir vivre là maintenant. Il peut venir des fins de semaine. On peut passer, on peut prendre ses frères. On passe le voir où il est. Ah oui, 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 faites ça. Quand c'est comme ça, l'enfant rentre là, tout de suite, il ne va pas se rétracter. Ben, il y a des enfants, vous prenez, vous les avez soulevés où il était avec sa maman. Bon, on vient le déposer dans le foyer. Il n'y a eu aucun contact au début. Et puis maintenant, quand l'enfant commence ses premières bêtises, ah, il est venu, il va mélanger mes autres enfants. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut aller par étapes. Tout doit se faire doucement. Parce que lui, il était un petit bébé, il était avec sa maman, il ne connaissait pas les autres. Mais vous ne respectez pas tout ça. On prend l'enfant, on vient le jeter dans le foyer. Quand l'enfant commence les premières bêtises, les problèmes commencent. Même les enfants que vous prenez de l'Occident, ça dit que de l'Afrique pour les envoyer en Occident dans des nouveaux foyers. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, au Canada, tu adoptes quelque part un enfant. On veut que tu aies déjà établi le premier contact avant que l'enfant vienne vivre chez toi. Parce qu'ils ont vu les désastres que ça fait. Au moins, tu es parti la première fois. Vous avez pris des photos ensemble, tout et tout. Et demain, quand cet enfant-là vient, ben, il connaît déjà la figure qui vient l'accueillir. On ne fait pas comme avant où on adopte les enfants. On vient, l'enfant n'a aucun contact. Il ne sait même pas avec qui il va. Il arrive à l'aéroport. Allô, je suis ta maman. Non, tu n'es pas ma maman parce que je n'ai jamais vu ce visage-là quelque part partout. Vous comprenez? Donc, un enfant qui doit rejoindre une famille, même en Europe, faites un petit effort. Ne le faites pas comme on appelle un mineur accompagné. On le met là et puis on vient maintenant à l'aéroport. C'est la première fois qu'il vous découvre. Ça peut créer un sentiment d'insécurité avec cet enfant-là. À tel point qu'il arrive, on dit, mais il est arrivé ici, il a tout. Et puis il se comporte comme ça. Mais est-ce que vous avez fait le travail à la base? Le travail n'a pas été fait. On s'est dit, non, il vient dans la famille de son papa, donc il vient. On ne s'est pas occupé. Créer les contacts avec les enfants avant de les ramener dans les familles. Faites des étapes du processus. Créer le contact avec ses frères et soeurs. Voilà, pour que l'enfant se sente bien quand il arrive. Au début, c'est difficile. Les premiers moments, oui. C'est pour ça qu'il faut les prendre jeunes. Parce que quand il commence à avoir 14 ans, 13 ans, là, il commence à se rebeller. Ça cause beaucoup de problèmes. Moi, si je dois récupérer un enfant qui est à l'extérieur, c'est l'enfant au moment où il est petit. Mais quand j'ai tenté une première fois, et puis okay, tu veux créer problème à moi, il met le mur de Berlin. Les femmes, si vous êtes dans vos foyers, que vos maris ont fait des enfants avec des femmes dehors, que vos maris vous ont demandé pardon, oh que oui, 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 oui. Ma chérie, ton enfant que tu as fait dehors avec mon mari, pour qu'il rentre chez moi, ça veut dire que mon mari m'a demandé pardon. C'est pour ça qu'on dit c'est mon mari. C'est mon mari, il m'a marié. Tu comprends? Devant le maire, ma mère est dit, c'est là-bas il m'a marié. Tu comprends? Donc, j'ai mon honneur de femme mariée avec mon mari. Il a fait un enfant dehors avec toi. Ma chérie, il va se plier en quatre devant moi. Ah, que oui, 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 oui. C'est pas du jeu. Il va se plier. Tout ce que j'aime là, toutes les personnes que je respecte là, et puis c'est que ceux-là, s'ils viennent parler à ma femme là, elle ne va pas refuser. Ces personnes-là vont venir me parler. Et puis, je vais accepter. Donc, quand j'ai accepté là, ça veut dire que avec toi, ça dit si on veut voir, je te le concède. C'est une concession que je fais avec toi. Parce que je ne suis nullement obligé quelque part. Donc, quand moi, j'ai fini de faire ça là, c'est pas là maintenant, tu as un chantage. Donc, le chantage de l'extérieur là, ne vous sentez pas concerné par ça. Tout ce que moi, je vous demande, c'est encore plus bénéfique. Quand les enfants sont à la maison, quand les enfants, ça dit l'enfant rentre à la maison et puis il est mélangé avec les autres et puis on rentre chez toi et puis on ne sait pas que c'est l'enfant de ton mari qui est là, c'est gratifiant, ça fait plaisir. Vous comprenez? Nous on côtoie des familles ici où c'est l'enfant du mari, si tu rentres à l'an, tant qu'on ne t'a pas dit, tu ne sauras pas. Mais ne vous laissez pas. Vous comprenez? Ne vous laissez surtout pas distraire. On est dans un monde aujourd'hui, un monde que je dirais vénal, un monde de cupidité, où des femmes font des enfants juste pour se dire que ce monsieur-là, il est déjà bien, je vais faire un enfant avec lui. On ne peut pas empêcher ça. Depuis la nuit des temps, ça existe. Mais quand cette situation t'arrive là, garde le calme.
Et puis plus l'enfant est dehors, comme je dis dans une de mes vidéos, plus l'enfant est dehors, le lien là est là-bas. Ma chérie, si l'enfant là, ton mari a récupéré l'enfant là, où est le lien encore dehors? Il n'y a pas lien dehors. Quand elle appelle là, c'est pour prendre les nouvelles de l'enfant. Et puis, appeler là, c'est pas... Maintenant, même aujourd'hui, la communication est développée, donc la petite a son téléphone. C'est-à-dire qu'elle peut appeler même sa fille sans que tu aies grand contact avec eux, sans que ton mari même ait contact. Mais quand là-bas, l'enfant est toujours là, l'enfant n'a pas mal à la tête, oh, on va appeler. L'enfant a baillé, oh, on va appeler. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est mieux que l'enfant soit là. C'est-à-dire que si ça te prend plus... Si tu vois que c'est un peu trop fort pour toi, c'est correct. Mais comme je le dis, il y a des femmes seules qui ont le droit de garder leurs enfants. N'en voulons pas aux femmes seules qui vont dire, moi je ne veux pas que mon enfant aille dans le foyer de son père. Ça c'est correct, on respecte ça. Mais quand tu as dit tu ne veux pas là, ça veut dire que ton pied est sur caillou. Ça veut dire que tu es sûr de toi. Tu ne vas pas dire tu ne veux pas et puis c'est dans la poche. Ça veut dire que de notre budget familial là, toi tu comptes pour faire ton programme. Pour que toi, on te loue une grosse maison. Pour que toi, on fasse pour toi. Père, tu as fait enfant. Même si vous n'avez pas des enfants dans vos maisons, ne vous laissez pas. Ça dit que dans ce chantage-là, Père, si vous rentrez dedans, là, l'enfant va rentrer dans ta maison. Hein, mais le chantage va continuer. Le chantage va continuer. Quand cet enfant-là rentre dans vos maisons, balisez les choses aussi clairement. Oh my God, beaucoup d'étoiles, je n'avais même pas vu. Merci beaucoup, 570 étoiles. Partagez le direct, mes personnes. Partagez. C'est pour le bien-être de l'enfant qu'on parle. C'est parce que les choses ne s'expliquent pas aussi clairement. C'est parce que les choses ne sont pas dites qu'aujourd'hui, il y a des enfants qu'on a fait et puis des enfants sont malheureux quelque part. Oui, le monsieur a fait l'enfant. La peur fait qu'il ne peut pas parler de ça à sa femme. Rien. La femme aussi ne sait pas. Celle avec laquelle il a fait l'enfant, il ne s'en occupe pas. S'il vous plaît, occupez-vous des enfants que vous avez fait dehors. Madame, oui, femme mariée, l'enfant que ton mari a fait dehors, tu n'as aucune obligation d'accepter cet enfant-là. Mais tu ne dois empêcher le monsieur de s'en occuper. Mais qui s'il ne s'en occupe pas? Qui va s'occuper de ça? C'est son enfant. Vous comprenez? C'est le sang de son sang dehors. Donc, il faut au moins qu'il s'en occupe. C'est à ce niveau-là. C'est pour ça que ayez le courage, j'insiste les hommes. Ayez le courage. Vous voyez, ils sont pleins comme ça. Vous ne dites jamais. Le jour où vous êtes dans votre cercueil, c'est là une femme, on se souvient à l'époque, quand on était en centre de formation, un professeur, il avait fait enfant. Sa femme est professeur, il est professeur. C'est le jour à Ivocep, là. La femme est venue, elle a trois enfants. Trois enfants. J'ai dit portrait craché du monsieur. C'est les enfants que le monsieur a fait dehors. Est-ce que c'est intéressant comme ça? Mais si tu as fait trois enfants avec cette femme-là, ça veut dire qu'elle était comme ta seconde épouse. Donc, l'autre devait être au courant. Elle n'a jamais imaginé que son mari avait une double vie. Voyez-vous? Et la dame a expliqué après, il avait coupé le contact, il ne s'occupait plus des enfants. Pourquoi les enfants que tu as mis sur la terre, tu ne peux pas t'en occuper? Fais enfant dehors là. Est-ce que c'est aujourd'hui? Depuis la nuit des temps, les présidents américains, les quoi, ont enfant dehors. Donc, en fait, ton mari a fait enfant dehors là. Mais chérie, c'est pas à faire. C'est lui qui allait traîner sa queue dehors. Donc, s'il l'a fait là, maman, il t'a pas violé. Oh. Il t'a pas violé. Le jour qu'il est sorti avec toi là, il t'a pas envoyé non plus sur mon lit conjugal. Et il t'a dit, je suis pas mariée. Hein? Mais est-ce que c'est dans mon lit conjugal qu'il t'a envoyé? Il t'a pas envoyé dans le lit conjugal. Vous avez choisi un hôtel où vous avez fait là-bas. Enfant est sorti là-bas, c'est fine. Ok, c'est correct. Mais je dis que on ne doit pas utiliser ça contre vous des femmes mariées dans le foyer. Parce que tu n'as pas d'enfant, ou bien parce que tu as enfant, ou bien pour une X raison, on fait le chantage par-ci, par-là. Ne vous laissez pas distraire. Mais sachez que si elle exige ça, à un moment donné, il faut que tu rentres en jeu. Oh que oui. Si elle l'exige chaque fois, elle ne veut pas que l'enfant vienne. Elle veut garder l'enfant là-bas. Ma chérie, tu essaies de mettre tes comme ça. Tu essaies de mettre ton pouvoir en jeu. Tu essaies de dire à l'homme, moi là, voici, on a des enfants. Là aussi là, tu mets pour toi en jeu. De toute façon, elle pense que ce qu'elle a dehors là, parce que souvent, elles font des enfants dehors avec les hommes mariés et elles pensent que leurs enfants sont mieux que les enfants de ceux qui sont à la maison. Moi, mon enfant, moi, mais toi, ton enfant et puis après. Ton enfant et puis après. Cet enfant-là, tu l'as conçu hors mariage-là, tu comprends?
Voilà. C'est un enfant qui a été conçu en mariage. Donc, on va dealer. Un enfant conçu en mariage, on deal pour le faire rentrer. Voilà. Si vous ne voulez pas entendre cela, c'est ça qui est la vérité. Donc, un enfant conçu en mariage, c'est ton prince à toi, mais ce n'est pas le prince des autres là. Donc, madame, il faut baisser la garde, comme on dit. Hein? Baisse la garde. Tu as fait affaire à un homme marié là. C'est toi qui dois essayer de lutter pour que ton enfant rentre. Mais si c'est pas là, si, je ne sais pas comment appeler ça. Tu ne travailles pas. On veut prendre l'enfant pour l'emmener en Occident. Il va vivre dans un cocon familial. Ah que oui, oui, oui. Pour que l'enfant vive dans un cercle familial là. C'est aussi important que ça. Ma chérie, tu ne travailles pas là-bas là. Ça veut dire que comment tu fais pour nourrir l'enfant? Il faut que l'argent quitte ici pour nourrir cet enfant là. Tu comprends? Donc ça aussi, on va lutter. Mais on lutte parce qu'on a eu la vache à lait. On lutte parce qu'on s'est dit que si cet enfant-là s'en va, c'est comme la manne financière est partie. Ah oui, oui, oui. Mais à un moment donné, comme je dis, il faut essayer de baliser. Chacun doit comprendre. Donc monsieur, comme monsieur K, comme tout ce que je t'ai dit dans la vidéo, c'est ce que je suis en train de te dire ici. On refuse que cet enfant-là parte parce que si elle te donne l'enfant, elle n'aura plus rien. Donc, c'est à toi de voir. La solution que je t'ai proposée, c'est ça. Réduis le contact avec elle. Trouve quelqu'un dans ta famille, Abidjan. Tu lui donnes l'argent. Désormais, on t'appelle que quand il y a une urgence sur l'enfant. Ouais, les urgences aussi, on peut toujours créer. L'enfant est ici, oh, l'enfant est en tant que. Tu ne peux pas échapper à ça. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous êtes avec vos femmes, là, restez avec vos femmes. Ta femme n'est pas stérile. Elle a un enfant déjà, donc c'est des difficultés qu'elle a rencontrées après. Et même si elle ne faisait pas d'enfant. Est-ce que c'est parce que la femme ne fait pas d'enfant dans le foyer qu'on va aller faire dehors? Pas nécessairement. Vous comprenez? Mais quand c'est arrivé, ok, c'est arrivé. Mais ne vous laissez pas avoir par ce genre de comportement. Vous comprenez? Ça prend des démarches. Et ces démarches-là, quand ta femme là, ça dit que donne le respect toujours à ta femme. Hein? Ta femme va intervenir une fois dedans. Hein? Faut pas donner l'impression que oui, on a tellement besoin de cet enfant. Je dis que les enfants, il y en a plein. C'est parce que les Africains, on n'a pas cette culture-là. Je vois des femmes, vous avez des moyens, tout et tout. Ne serait-ce qu'adopter un petit bébé, lui donner l'amour. Dans l'éducation d'un enfant, c'est l'amour qui compte. C'est pas parce que tu l'as accouché qu'il va nécessairement t'aimer. Aux États-Unis, c'est pas un enfant qui a tué sa mère là-bas. Vous comprenez? C'est l'amour qu'on donne. C'est l'amour. Pourquoi certaines personnes éduquent des bébés, ils prennent des enfants tout petits, et puis ils arrivent à donner l'amour, et puis ça colle bien. Mais vous ne faites pas d'enfants, vous êtes là, vous soupirez dans les maisons, alors que vous aurez pu adopter un petit bébé. Ce bébé-là, quand tu vas l'adopter, tu vas commencer à lui donner l'amour, tu ne sauras même pas quand le temps passe. Tellement tu donnes du sien. Mais on est resté dans nos mentalités, ça dit grégaire, archaïque, là, où on dit non. L'enfant que tu n'as pas accouché n'est pas de toi. Malheureusement. Il faut prendre un enfant autour de soi. Regarde autour de toi. Si tu as des problèmes pour concevoir, regarde autour de toi. Prends un petit bébé. Prends le petit. Tu vas le pouponner. Tu vas voir. Dans ça même là, très souvent là, quand tu salis, à force de donner tant d'amour même, tu n'es pas trop focusé sur l'affaire de haut enfant. Un matin, tu peux en tomber enceinte de toi-même. Mais non, on n'a pas cette culture là. Ça dit, ce qui peut nous aider dans notre bien-être, on se bloque à ça. On dit non, c'est l'enfant que tu as accouché forcément, c'est lui qui va être aimé. Mais c'est des histoires qu'on vous a racontées. Il y a des femmes qui n'ont pas accouché, qui ont donné l'amour, qui sont des mères heureuses aujourd'hui. Vous comprenez? Donc désormais là, ma chérie, ton mari a fait un enfant dehors. L'enfant, il a fait dehors là. C'est celle qui est là-bas, qui doit négocier pour que l'enfant rentre. C'est ça, elle doit négocier. Donc, si elle ne négocie pas là, c'est pas à toi de faire pitié. Tu as pas pitié de quoi? Pour que l'enfant rentre? Ma chérie, pour que ton enfant rentre là, c'est un privilège qu'on te fait. C'est un privilège. Parce que c'est pas toutes les femmes qui acceptent ça. Il y a des femmes là, elles disent que ce qui s'est passé dehors, toi, oh, ton enfant, oh, la mère de votre enfant, je veux rien entendre de vous. Vous restez dans le noir. Et puis, il y a certaines femmes qui disent non, c'est pas grave, l'enfant va venir. Et puis, l'enfant vient, elle le prend bien. Elle le traite comme son propre enfant. Qu'elle a accouché. Donc, aucune femme ne doit céder au chantage d'une femme qui est à l'extérieur. Ma chérie, tu es dans ton foyer, tu dois représenter un mythe, un mystère pour celle qui est dehors. C'est ce qu'elle dit. Tu es dans ton foyer, tu dois, ça dit, celle qui est dehors ne doit pas avoir l'occasion même de dire quelque chose sur toi. Parce qu'elle et toi là, est-ce que vous jouez dans le même championnat?
Maman, je suis dans mon foyer. Cherche pour toi. Faut chercher pour toi. C'est ça qui est la vérité. Donc si tu penses que parce que l'enfant est là, aujourd'hui on a utilisé ça et puis passer pour manquer de respect tout et tout, permettez même pas ça. Voilà. Mais seulement que il faut être des hommes de confiance. Des hommes, oui, c'est arrivé. C'est pas parce qu'un homme a fait un enfant dehors que c'est un mauvais monsieur. Un homme peut faire un enfant dehors et puis c'est un homme correct. Ça peut arriver. Pas qu'on justifie l'infidélité, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà. Donc, c'est pas parce que ton mari a fait un enfant dehors, ça va bouleverser ton foyer. Ça ne doit bouleverser aucun foyer parce que la vie continue. C'est celle qui a fait dehors là, qui doit lutter. C'est elle qui doit plaider. Si on t'a proposé, en 2021 là, on propose encore, on plaide encore auprès d'une femme pour faire venir ton enfant en Occident. Milliers de femmes cherchent ça là-bas, en Afrique. Il a dit que parmi les femmes, il y a des moutonnières. Toujours je le dis. Parce que c'est pas la moutonnerie là. Pourquoi on va te supplier pour faire rentrer l'enfant? Pas chez un étranger, chez son père. Vous comprenez? Maintenant, tu as fait, il y a deuxième encore dans ta main. On veut prendre l'argent du premier là, du premier père là, pour nourrir toute la tribu qui va suivre. Ça passe pas. Donc, femme, tu restes sereine dans ton foyer. Tu restes sereine. Il y a 1 milliard de femmes sur la terre. Et puis, c'est toi qui l'as choisi. Donc, ça veut dire que tu as ta particularité. Il y a d'autres qui ont fait oyo oyo, comme Marianne ne les intéresse pas. Mais nous, on est dans les réseaux sociaux, des femmes se confient à nous. Donc, on comprend. Donc, ma chérie, ton mari a fait un enfant dehors. Ça ne doit pas être un problème. Il a fait son enfant dehors. Toi, tu restes dans ton foyer. Comme on dit, quand. C'est pas ça qui a venu. Ça ne doit même pas te faire vaciller un peu. Tu restes tel que tu es. Merci beaucoup pour les étoiles. Oh, il est 6h52, je ne me suis même pas rendu compte. Si ce prenez soin de vous, tout ce que je vous demande, partagez la vidéo. Merci pour toutes ces étoiles. Donc, monsieur K, c'est ce qui est là. Trouve le moyen dans ta famille pour donner l'argent à quelqu'un. Elle s'en cherche ça là-bas. Désormais, tu parles avec elle pour la femme, pour l'enfant. Le jour elle est décidée, elle te dit. Si elle n'est pas décidée, tu la laisses à elle, son enfant. Si ce prenez soin de vous, au revoir. Merci.